de la República de Haití. Distinguidos delegados, excelentísimo señor presidente Michel Joseph Martelly, excelentísimo señor Pierre Richard Casimir, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití, excelentísimos señores miembros de la delegación presidencial haitiana, excelentísimo señor don José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, excelentísimo señor embajador Albert Randín, secretario general adjunto de la OEA, excelentísimos señores representantes permanentes y alternos de los Estados miembros de la OEA, excelentísimos señores observadores permanentes, señoras y señores. Constituye para mí un gran honor recibir en esta Casa de las Américas, en mi doble condición de presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y de representante permanente de mi país, la República Dominicana, a su excelencia el señor Michel Joseph Martelly, presidente de la República de Haití. Me siento en condiciones de asegurar que el sentimiento de amistad que subyace en esta bienvenida es compartido por todos los que, en representación de sus respectivos países, se hallan aquí presentes, integrantes todos de esta organización que procura, por encima de todo, el mantenimiento de la paz, la promoción del desarrollo integral, el fortalecimiento de la democracia y la justicia, y la protección de los derechos humanos en el seno de nuestras sociedades. Al amparo de esta comunión de sentimientos, séame pues permitido invitar a nuestro secretario general, don José Miguel Insulza, a que pronuncie las palabras inaugurales de esta solemne sesión en honor del presidente de Haití. Señor secretario general, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Monsieur le Président, Michel Martelly, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, les autres membres de la délégation du Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Assistant Secretary General, ambassadeur, représentant permanent, observateur permanent, chers amis. La visite que nous fait aujourd'hui le président de la République d'Haïti, son Excellence Michel Joseph Martelly, m'offre l'occasion de réaffirmer l'engagement sincère et intégral de l'Organisation des États américains envers cet État membre fondateur de l'OEA. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le président Martelly et de rappeler que nous continuons et continuerons à fournir notre plein support et à travailler en collaboration avec son gouvernement pour relever les grands défis auxquels il fait face. C'est dans cet esprit qu'au cours de ces dernières années, l'OEA a fourni un accompagnement à Haïti alors qu'elle cherche à consolider et à édifier une société plus pacifique et plus prospère. Après le séisme dévastateur qui a frappé l'Haïti il y a quatre ans et qui provoqua que sur son passage un nombre substantiel de pertes de vies humaines et une destruction inouïe, la communauté internationale et la famille de l'OEA réagit pour répondre aux besoins d'Haïti durant ces moments traumatisants et difficiles. Cependant, ce séisme n'est plus à perdre la morale des peuples haïtiens, déterminés à reconstruire son pays
et à le faire mieux qu'auparavant. Et c'est dans ce contexte que le président Martelly assumait le pouvoir en tant que président du même élu en mai de 2011 et n'a vacillé du premier moment à mettre tout son dynamisme et son leadership pour renforcer les travaux de reconstruction après le séisme. Les progrès de cet effort sont évidents, mais le chemin qui reste à parcourir est encore long. Et conscient de cette réalité, je tiens à louer les efforts déployés par votre gouvernement et par tous les acteurs de la société haïtienne, en faveur de la reconstruction, du progrès et du développement. Et saluer tout particulièrement la présente administration du président Martelly pour les progrès significatifs réalisés sur le plan de la croissance économique, ainsi que pour les efforts qui ont été faits afin d'orienter l'Haïti vers la consolidation et le renforcement des acquis démocratiques. Monsieur le Président, je dois souligner aussi votre leadership enthousiaste au-delà de la sphère nationale. En effet, votre mandat à la présidence de la CARICOM l'année dernière témoigne de votre capacité à renforcer les liens historiques, économiques, sociaux et culturels avec les peuples des Caraïbes et à créer des synergies pour contribuer au plein développement de la région. Au sein même de l'OEA, Haïti exerce actuellement la présidence de la Commission sur la sécurité continentale et a toujours contribué de manière constructive au débat présent sur la vision stratégique de l'organisation. Votre pays accueillera aussi la 45e session ordinaire de l'Assemblée générale en juin de 2015, tandis qu'en août de cette année, les ministres de Culture des continents se réuniront au Port-au-Prince. L'organisation de ces réunions de haut niveau fait preuve d'un multilatéralisme actif de la part du gouvernement haïtien. We are very happy, sir, to know that for the OAS, Haiti is also open for business. We are very glad to know that. Au grand nombre de grands efforts déployés dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques, il faut souligner les réalisations relevées dans le domaine de renforcer les institutions nationales de l'État de droit. Si nous reconnaissons que le besoin fondamental pour Haïti est de garantir la stabilité, le renforcement de las institutions nationales, de son indépendance et de son efficacité est la pierre angulaire. Je tiens pour ça à saluer la détermination de votre administration à aller dans l'avant avec la tenue des élections aux échelles sénatoriales, municipales et locales attendues partout. La publication récente de la loi électorale, après un long délai, réaffirme cette détermination et nous sommes confiants que ces efforts aboutiront en cette année, comme vous l'avez dit. À cet égard, je veux rappeler que l'OEA, entre 2005 et 2012, a prêté une assistance au Bureau international d'identification pour l'inscription et la livraison des cartes d'identité à plus de 5 millions de personnes. Et nous voulons continuer avec cette collaboration. L'OEA prend aussi un part actif à la mise en œuvre d'un programme de renforcement institutionnel du Conseil supérieur des pouvoirs judiciaires suite à la normalisation du fonctionnement de la Cour en juillet de 2012. Nous soulignons aussi aujourd'hui la plus récente initiative de dialogue politique dans laquelle le président de la République s'est personnellement investi. Nous encourageons vivement les acteurs de ce dialogue interhaïtien entre les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les partis politiques, menés sous la direction de Monsieur le Président, à travailler de concert et con la participation de la conférence épiscopale, à travailler de concert pour parvenir à un accord permanent de déboucher sur les élections libres, transparentes et inclusives en 2014.
Le tenir de bonnes élections dans les meilleures conditions offrira au gouvernement une nouvelle occasion de démontrer sa volonté d'agir pour renforcer l'institutionnalité du pays et promouvoir les principes essentiels de la politique démocratique de dialogue et d'alternance, créant ainsi le climat indispensable au développement intégral, social et économique du pays. C'est pour ça, Monsieur le Président, que nous voulons vous remercier chaleureusement pour trouver le temps de nous visiter dans cette visite à Washington. Soyez bienvenus à votre organisation des États américains. C'est un honneur de vous accueillir dans cette salle des Amériques. Merci beaucoup. Muchas gracias, señor secretario general. Señoras y señores, quiero decirlo de nuevo. Es para mí un verdadero honor presidir esta ceremonia de bienvenida al excelentísimo señor presidente de Haití, Michel Joseph Martelly, quien tomó posesión de su cargo el 14 de mayo de 2011 y ha sabido interpretar de manera adecuada en el corto lapso transcurrido desde entonces las necesidades y las aspiraciones de su pueblo. Como fundador, junto con su esposa, de la Fundación Rosa y Blanco, nuestro distinguido huésped se propuso combatir la pobreza y las causas que la producen, y fue esa labor humanitaria la que lo convenció de la necesidad de llegar en su lucha a lo más alto. Y lo más alto es, en ese sentido, siempre el poder político. La experiencia, el coraje, la disciplina y la perseverancia del presidente Martelly han generado en sus compatriotas la convicción de estar siendo guiados por un líder que los escucha, los entiende y los representa con dignidad en el concierto de las naciones democráticas. Desde la altísima posición que ostenta, el presidente Martelly ha trabajado arduamente para reformar y en algunas instancias reconstruir las bases institucionales de su país. Su agenda de gobierno fomenta con especial fuerza y simultáneamente la educación, el empleo, el Estado de Derecho, el medio ambiente y la energía, que son factores del todo indispensables para el desarrollo económico y social y para el fomento de la democracia. Haití se lo merece. Y no lo digo por decir. Haití, que es por tantas razones un país extraordinario, ha sabido como nadie construir con su esfuerzo el proceso de integración de las Naciones Americanas. Haití, no debemos olvidarlo, le insufló ánimos y le dio apoyo al movimiento independentista del que surgieron varias de las naciones del continente americano hace casi 200 años. En nuestra América no se puede hablar de libertad en el sentido histórico del término sin mencionar y agradecer el ejemplo de Haití. Simón Bolívar, nada menos que Simón Bolívar, fue testigo y beneficiario de esa contribución haitiana y no está separada del coraje de que dio muestras como libertador por excelencia la dosis de coraje que recibió de manos de los libertadores haitianos de su época. Entre nuestros historiadores, ya es costumbre citar el gesto del general Petion,
entonces presidente de Haití, y de otros distinguidos miembros de su cuerpo militar, en el momento de ayudar al Libertador a organizar la expedición independentista que se desplazó a Venezuela en marzo de 1816. Haití ganó con eso un lugar de privilegio no solo en el corazón de aquel al que ayudaba, sino también, lo que es quizás más importante, en el de aquellos que a través de la historia hemos aprendido a valorar la grandeza de semejante generosidad. Pero con todo y ser, por lo que llevo dicho, y por muchas más cosas que el tiempo me impide detallar aquí, un referente histórico innegable, Haití es, además, uno de los pueblos de más vigorosa personalidad del continente. Quien lo dude, si hay quien lo dude, no tiene más que acercarse a la rica cantera de sus grandes gestas y de su originalísima cultura para comprobarlo. Ninguno de los países tan dignamente representados aquí desconoce esa verdad. Y por eso no hay uno solo que no haya dicho presente a la hora de manifestar su solidaridad con el pueblo haitiano en todas y cada una de las difíciles circunstancias por las que ha atravesado en las últimas décadas. Es esta una actitud cuyo vigor, lejos de decrecer, aumenta con el tiempo. Así lo demuestra la presencia en esta sala de todos los miembros de nuestra organización, en lo que a mí se me antoja una muestra inequívoca del deseo americano de hacer lo que sea necesario para que Haití se enrumbe de forma conveniente en el complejo mundo del presente. Pero más importante que nuestra colaboración es saber que Haití mismo se haya embarcado en la tarea de su resurgimiento y que los frutos ya comienzan a verse. El pasado 15 de enero, en una sesión de este Consejo Permanente, el excelentísimo señor embajador de Haití tuvo la gentileza de compartir con nosotros unas imágenes llenas de optimismo y vigor que nos enviaba su gobierno con el claro propósito de demostrarnos los éxitos que el gobierno del presidente Martelly ha alcanzado desde el terremoto del 12 de enero de 2010 hasta el presente. En ese sentido, señor presidente Martelly, distinguidos componentes de su comitiva, excelentísimo señor embajador Brutus, deseo aprovechar la oportunidad para decirles que en este Consejo Permanente sentimos como propios esos avances en la reconstrucción de Haití. No solo por ser Haití uno de nuestros miembros fundadores, sino porque nuestra organización, que ha sabido hacer suyo el dolor haitiano, ha sabido también recabar el apoyo de propios y de ajenos en beneficio de su causa. Esos logros de Haití son para nosotros un motivo de legítimo orgullo y creo que es bueno que ustedes lo sepan y se lo hagan saber a su regreso a los suyos. Quiero, por último, que se me permita terminar estas palabras dando las gracias al presidente Martelly por varias cosas que lo enaltecen como gobernante. Gracias, presidente, por mantener al sistema y a la agenda interamericana como prioridades de su gestión de gobierno. Gracias por su fe y su confianza en la OEA. Los Estados miembros de esta organización hacemos votos para que Haití termine consiguiendo el bienestar que se merece, la mejor capacitación de su gente y la óptima mejoría de su infraestructura en el menor tiempo posible. Gracias también por su innegable disposición al diálogo y a la solución pacífica y amistosa de las diferencias.
Como presidente de este Consejo Permanente, me congratulo junto al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por la buena disposición mostrada por su gobierno, lo que equivale a decir por usted, señor presidente, para tratar junto con la República Dominicana los asuntos comunes. Deseo de todo corazón que los frutos de dichas conversaciones redunden en beneficio de los pueblos de tan queridas naciones. Muchas gracias. Y ahora, señor presidente, tiene usted la palabra. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les ministres membres de la délégation, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les représentants permanents, Mesdames, Messieurs les observateurs permanents, chers amis, je suis particulièrement heureux au nom de la République d'Haïti et du peuple haïtien, de me retrouver dans cette salle des Amériques, symbole de la vibrante démocratie qui ne cesse de s'accroître dans toute la région, pour m'adresser à cette auguste assemblée. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier chaleureusement pour le très émouvant accueil que vous avez réservé à moi et à ma délégation. À mon tour, je vous apporte une accolade fraternelle et chaleureuse du peuple haïtien, ce qui, j'en suis sûr, vous aidera à mieux supporter le froid hivernal de la ville de Washington. Je me réjouis également d'être au siège de l'OEA, cette organisation plus que cinquantenaire, dont Haïti, mon pays, est membre fondateur. À travers les ans, l'Organisation des États américains a connu certes des épreuves, mais elle a beaucoup grandi et mûri pour devenir ce patrimoine cher et adulé de tous les peuples du continent. À travers elle, nous forgeons incessamment notre communauté de destin fondée sur la démocratie, les droits de l'homme, le développement intégral, la sécurité humaine, et indubitablement sur la poursuite du bonheur pour nos populations. Plus que jamais dans l'histoire, les Amériques peuvent s'enorgueillir, à juste titre, d'une parfaite santé démocratique. Notre organisation régionale a le mérite d'avoir parfaitement joué son rôle d'accompagnement de nos États dans leur processus de renforcement institutionnel, de consolidation de l'état de droit et de la stabilité politique, même si, il faut le reconnaître, beaucoup reste encore à faire en termes de réduction des inégalités socio-économiques et d'amélioration du cadre de vie de nos citoyens et de nos citoyennes. Avec la constance dans l'effort et le sens des responsabilités, nous parviendrons sûrement à colmater les brèches et à forger des lendemains meilleurs pour nos populations. Mon administration s'est engagée et s'engage encore à changer durablement les conditions de vie de mon peuple, à refonder la nation et à paver définitivement la voie à son développement intégral et durable. Aujourd'hui, je peux vous affirmer avec une fière assurance que le peuple haïtien est en train de reconquérir son droit de rêver. Plus que jamais, nous sommes confiants dans l'avenir.
Les résultats sensibles et visibles déjà enregistrés dans les différents domaines et les différentes sphères d'action sont en effet des plus encourageants. Monsieur le Président, mes chers amis et amis d'Haïti, permettez-moi de partager avec vous les résultats probants des interventions de mon administration depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État dans divers domaines tels que l'éducation, l'économie, la construction de l'état de droit et la préservation de l'environnement. J'ai l'intime conviction que l'éducation demeure le principal levier du développement de tout pays, plus particulièrement des pays du Sud comme Haïti, qui sont très peu dotés en ressources. C'est pourquoi nous avons fait de l'éducation un des axes prioritaires de nos interventions. Cela veut dire concrètement que nous avons consacré pas moins de 14% de notre budget national à la scolarisation des enfants des couches les plus défavorisées du pays. Le résultat, vous conviendrez sans nul doute, est prometteur. 1 400 000 enfants bénéficient du programme de scolarisation universelle gratuite. Nous avons construit 369 écoles et réhabilité plus d'un millier d'écoles publiques. Pour la première fois aussi, l'État accorde une subvention aux étudiants des universités publiques pour leur permettre de se procurer les matériels didactiques nécessaires à la poursuite et à l'aboutissement de leur cursus ou de leur cycle d'études supérieures. Je suis par ailleurs convaincu qu'il est impératif de nous atteler à améliorer notre main-d'œuvre, nos marchés du travail et à réduire substantiellement les chiffres alarmants du chômage des jeunes. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de promouvoir et de créer les structures de formation de qualité pour mieux préparer nos forces de travail et les rendre plus compétitives. Dans cette perspective, je crois qu'il est plus que jamais opportun d'élargir les cadres régionaux de coopération dans les domaines de l'enseignement professionnel et universitaire. Par ce biais, nos jeunes, de toutes catégories confondues, pourront avoir à leur disposition des moyens pouvant leur permettre de s'épanouir, de participer au développement économique et social de leur pays et de bâtir leur avenir. Sur le plan économique, je me félicite des efforts déployés et des sacrifices consentis par mon administration pour assurer la stabilité macroéconomique d'Haïti. En guise de résultat, l'économie nationale a enregistré un taux de croissance de 4,3% pour l'année écoulée, grâce notamment à l'augmentation sensible de la production agricole, au dynamisme du secteur de la construction, à la hausse de la production industrielle, surtout au niveau de la sous-traitance, et à la relance du secteur touristique. Il est important aussi de souligner que nous avons ramené le taux d'inflation de 6,5% en septembre 2012 à 4,5% en septembre 2013. Ces résultats sont très loin d'être l'effet du hasard. Ils sont dus à la combinaison harmonieuse d'une volonté politique ferme et d'une détermination sans faille de mon équipe d'instaurer une gestion saine de la chose publique par la lutte contre la corruption généralisée. J'en veux pour preuve l'adoption récente d'un certain nombre d'instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, en matière de lutte contre la corruption. Mon administration entend continuer dans cette voie. Notre objectif est de créer définitivement et de maintenir un climat de plus en plus favorable aux investissements étrangers directs. L'économie haïtienne se relève petit à petit et les conditions objectives de sa prospérité et de son développement
sont en train d'être mises en place. Dans cet ordre d'idées, d'ores et déjà, je vous invite tous, membres permanents et observateurs de l'Organisation des États américains, à participer en grand nombre à la conférence sur les investissements en Haïti qui se tiendra à Port-au-Prince en juillet prochain sous les auspices de l'OEA. Je compte sur votre support pour encourager les investisseurs de vos pays respectifs à profiter des opportunités énormes offertes par le marché haïtien dans les domaines aussi divers que le tourisme, les textiles, la construction, l'agriculture et l'agro-industrie. Pour ce qui concerne l'état de droit, dès mon arrivée au pouvoir, je me suis attelé à la tâche consistant à promouvoir le respect de la loi et le renforcement de l'appareil judiciaire, conformément aux promesses de ma campagne présidentielle. C'est ainsi que les ressources et les énergies nécessaires ont été très vite mobilisées vers la normalisation du pouvoir judiciaire, le renforcement des capacités et l'augmentation de l'effectif de la police nationale, la réduction considérable de la criminalité et le fonctionnement harmonieux des trois pouvoirs. Nous venons de baptiser l'année 2014 qui correspond à l'an 210e de l'indépendance de mon pays, année de l'unité retrouvée. C'est ainsi que j'ai initié récemment, avec l'aide de l'Église catholique, un dialogue inter-haïtien qui nous permettra de définir de façon consensuelle un cadre de référence pour consolider les acquis en matière de gouvernance démocratique et assurer la prévisibilité de notre système par la réalisation régulière d'élections démocratiques et inclusives nécessaires à la stabilité politique et au développement économique et social d'Haïti. Je me réjouis de l'état d'avancement du processus électoral devant culminer au renouvellement des pouvoirs législatifs et locaux durant l'année 2014, renforcé par l'adoption et la publication de la loi électorale ainsi que la loi relative au fonctionnement des partis politiques. En ce qui a trait à l'environnement, je tiens à vous confesser que la question environnement est pour nous une préoccupation constante. Aujourd'hui, mon administration fait un double pari. D'une part, celui de la conscientisation des enfants et des jeunes sur les problèmes liés à la dégradation de l'environnement. D'autre part, celui de l'établissement d'un cadre juridique national pour la protection de l'environnement. En dépit de la limitation de nos ressources, nous nous efforçons de mettre en place des outils légaux et des infrastructures adéquates pour nous permettre de renforcer la résilience du pays et de réduire les menaces constantes liées aux catastrophes naturelles. Je profite de cette opportunité pour renouveler encore une fois mes profondes sympathies au peuple et au gouvernement de la Dominique, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et les Grenadines, qui ont subi en décembre dernier les graves conséquences d'un désastre naturel sans précédent dans leur histoire. Vous conviendrez avec moi que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles est le lot de quasiment tous les petits États de la Grande Caraïbe. C'est une question qui doit continuer à être approchée au niveau régional. J'appelle donc de mes voeux au renforcement des structures et des mécanismes régionaux et sous-régionaux de prévention et de gestion des risques et des désastres. Monsieur le Président, je voudrais remercier et féliciter le secrétaire général, Monsieur José Miguel Insulza, d'avoir encouragé le Conseil permanent à initier une réflexion et un débat profond autour de la vision stratégique de l'Organisation des États américains pour les prochaines décennies. C'est une réflexion qui, me semble-t-il,
doit être encouragée. La République d'Haïti attache la plus grande importance au renforcement et à l'approfondissement de l'intégration et de la coopération tant au niveau hémisphérique qu'au niveau régional et sous-régional. Mon administration s'engage à contribuer efficacement à l'aboutissement de toutes les initiatives et activités qui vont dans cette direction. Le renforcement de l'unité, de la solidarité et de l'entraide doit être le leitmotiv de tout effort d'intégration ou de coopération. Aujourd'hui, il est indéniable et fort encourageant que tous les États membres de l'Organisation des États américains ont réalisé des progrès significatifs en matière de stabilité politique, de renforcement institutionnel et de consolidation de l'État et de la démocratie. De même, les organisations d'intégration ou de coopération existantes offrent un cadre idéal pour la concertation entre les États et le rapprochement de leurs peuples. Par exemple, les États les moins pourvus économiquement ont la possibilité de rechercher au plus haut niveau de leurs responsables les voies et moyens adaptés à leur réalité pour adresser les problèmes sociaux et économiques auxquels ils font face. C'est dans cette perspective que nous plaçons la création et le développement des organisations comme la CARICOM et l'UNASUR, et sous un angle beaucoup plus large, la Communauté des États de l'Amérique latine et de Caraïbes, la CELAC. Monsieur le Président, au nom de la République d'Haïti et du peuple haïtien, je propose que le débat autour de la vision stratégique de l'OEA tienne dûment compte des liens d'interdépendance entre démocratie et développement économique. Il ne faut pas cependant que cela se fasse au détriment du respect des droits de la personne, des libertés individuelles et de la participation citoyenne. Aussi, je reste persuadé de l'impérieuse nécessité pour l'OEA de dégager dans le plus bref délai un consensus sur la définition d'un projet intégrateur, c'est-à-dire prenant en compte les intérêts et les priorités de tous les États membres et qui soit porteur de croissance économique et de progrès pour nos populations. C'est une responsabilité historique qui incombe à nous tous et à chacun de nous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à réitérer l'engagement d'Haïti et ma détermination d'appuyer sincèrement toute initiative qui va dans le sens d'un dialogue constructif entre tous les États et tous les peuples des Amériques. Un dialogue qui doit aboutir à l'adoption d'un pacte de solidarité pour affronter de manière unifiée le fléau de la pauvreté et de l'inégalité sociale, ainsi que les menaces environnementales et les préoccupations en matière de sécurité. Enfin, je terminerai mes propos en vous rappelant que le tribunal constitutionnel de la République dominicaine a rendu un arrêt qui remet en cause la nationalité d'un certain nombre de Dominicains, dont la plupart sont d'ascendance haïtienne. Je voudrais remercier les pays qui se sont mobilisés pour favoriser une issue respectueuse des droits de la personne face à ce problème. Pour l'instant, un processus de dialogue est en cours entre Haïti et la République dominicaine. Dans le cadre de ces pourparlers, la République dominicaine a pris un certain nombre d'engagements qui devraient permettre de trouver une issue favorable que nous appelons de nos vœux. J'invite les pays de l'OEA à continuer à soutenir le processus et à garder la même vigilance vis-à-vis du respect des droits de la personne afin qu'il n'y ait une seule personne à se trouver en situation d'apatridie dans la région. En attendant de vous revoir en Haïti en juillet 2014, dans le cadre de notre rencontre sur l'investissement,
et en juin 2015, à la 45e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'EEA, je souhaite à vous tous bonne besogne et une fructueuse année de travail au bénéfice de tous les peuples frères des Amériques. Je vous remercie. La presidencia quiere darle las gracias al presidente Martelly por sus palabras y decirles que deben permanecer en sus asientos para proceder a los saludos de cortesía del presidente Martelly y del secretario general que se producirán de inmediato. Después de los saludos, la presidencia agradecería al Consejo que permanezcan sentados hasta que el presidente Martelly salga de la sala. Gracias a todos.
Representantes y honorables invitados, se levanta la sesión. Muchas gracias.